c'est de la blast, mais voilà. Donc il faut vraiment les aider, quand vous les voyez passer. C'est pas des jeux qui coûtent très très cher. Parce que j'avais envie de changer et de passer par les chiottes. Je suis le joueur, en fait. Donc en réalité... Très bien. Salut les Foodgers, bienvenue sur la Food Family Games, une nouvelle vidéo, une petite reprise malgré le confinement. On est avec Food. Salut. On est avec Pox, on est avec Doudette, avec Hiver, et on est avec Walou qui se trouve dans la pièce d'à côté pour les spectateurs. On est sur un nouveau jeu qui s'appelle Moving Out de la Team 17. Alors, Foodie, Team 17. Très bien, c'est des jeux indépendants qui ont créé le fameux jeu Overcooked. Voilà. Mais encore Worms, plus loin en arrière. Overcooked, le jeu d'enfer de notre ami Grouji. Petite pensée pour. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Grouji qui a toutes nos pensées parce qu'il est en confinement, il se fait chier, il s'emmerde. Mais accessoirement, a eu un petit souci de santé et donc on peut plus trop l'appeler Grouji parce que là, il a fait un superbe effort. Il a fondu. C'est Grouji. Voilà, c'est Grouji. Et donc on a une grosse pensée pour toi, mon Grouji. Tu nous manques très fort. Et si tu regardes cette vidéo, tu vas superbement apprécier parce que maintenant que tu as des stents et que tu n'as plus de problème cardiaque, tu vas pouvoir jouer à ce jeu-là. C'est mieux qu'Overcooked, tu vois. Tu vas avoir plein de petits trucs. Tu ne pourras plus faire de crise cardiaque. Ça n'est pas possible. Tu peux appuyer sur 3. Voilà. Alors, j'appuie sur 3. Alors, voilà. Pour la petite histoire, on a enregistré, mais rien. On n'avait pas de son. On a enregistré que de la merde. En fait, on a enregistré que les images. Alors, on aurait pu mettre de la musique et puis voilà. Mais vous n'auriez pas eu l'explication du jeu. On n'aurait pas eu le son du jeu non plus. Et on n'aurait pas eu le son du jeu. Alors, Moving Out. Moving. Alors, deuxième essai pour nous. Bien qu'on ait déjà fait d'autres essais avant et autres. Moving Out, on vous l'a dit. Team 17. Très, très bon studio. Vraiment, on vous invite à aller sélectionner leurs jeux. Ils sont pas chers. Ils sont bien ficelés. Ça change des jeux de bataille, des jeux de baston, des jeux de guerre. C'est vraiment des jeux familiaux. Toutes les générations peuvent s'amuser à ça. C'est assez simple à comprendre. Là, en l'occurrence, Moving Out, c'est la suite de Overcooked. Enfin, la suite. C'est un opus différent, mais bon, c'est dans le même genre. C'est super sympa. Donc, vraiment, on va s'éclater. On va vous montrer le tutoriel qu'on a déjà fait une première fois, mais qui du coup, voilà. Là, on va mettre la cassette VHS. Donc là, on s'en fout, c'est des mariages de, c'est les images de ton mariage, c'est avec Doudette. Hein, voilà. Donc, on va pouvoir enregistrer. Voilà. Aucun meuble ni carton ni même animaux. This is your first step to becoming a certified furniture. You're probably asking yourself, gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. On les voit en mode 3D, en mode Overcooked, un peu supérieur, hein, d'accord. Il met des baffes, moi aussi d'ailleurs, paf, tac, et hop, ramasse ton truc. Alors, pour les personnages, celui qui a un oiseau sur la tête, c'est Papa Food. Voilà, c'est moi là, celui qui tourne. Et celui qui a des tartines qui lui sortent du crâne, paf, et du gros nez avec des lunettes, c'est Foodie. Allez, c'est parti, on va finir le tutoriel. Enfin, tout on va continuer. Voilà. Et on les met dans des zones. Voilà. On les met dans des zones. Makes the dream work. Try lifting heavy objects with your partner. Parce qu'il y a des meubles à deux ou à un. These boxes are trained for this. On the count of five. One, two. Okay, just throw it already. Lancer. Voilà, comme ça. Nice work. Enfin, évidemment, là, ici, on s'entraîne. Every mover's arch enemy. Fragile objects. Don't drop these sensitive doodads. Les objets sont extrêmement cassables. On ne récupère pas. On peut mettre des claques à des fantômes, à des boîtes aux lettres, à ce jeu. Don't slap too hard. We don't need another lock. Always focus on what needs to be moved next. Ça me sert à rien. Nice. You're almost there. I believe in you. À ramasser. On arrive au camion.
on les dépose et on a gagné. Et voilà. Much better than the Pomeranian we tried training last time. Il y en a 30, sans compter peut-être le DLC, on espère. Congratulations, 30 niveaux qui vont aller crescendo, évidemment, hein, comme tous les petits jeux. Il va falloir passer au-dessus des piscines, monter des immeubles, voilà. Donc là, on est dans une petite ville fort sympathique, hein, avec des petites voitures. Pac-Nord. Oui. C'est une de Pac-Nord. En fait, c'est, la traduction, c'est les mots en carton en corps, quoi. Donc, le premier objectif... Bon, on est d'accord que tu n'as pas passé de balle d'anglais, là, pour l'instant. Pas encore. On est d'accord. Ah bah non, c'est pas. Ah bah non, Covid. Ah, du coup, ils vont lui donner quand même, c'est grave. C'est grave. Tu expliques les objectifs du jeu ? Simple, on arrive dans une maison, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de déménager, d'emmener les meubles de la maison vers le camion. Évidemment, il va falloir ranger le camion, parce que sinon, évidemment, vous doutez bien qu'il y a trop de meubles par rapport à l'emplacement. Et donc, deux grands buts principaux. Déplacer, comme vous le voyez à l'écran, 16 objets, marqués en haut à gauche avec les petits cartons, donc 16 objets dans un temps limité, à savoir 3-10 pour la médaille d'or, 4-10 pour la médaille d'argent, 6-30 pour la médaille de bronze. Sur la partie d'avant de la partie que vous ne verrez pas, dans la configuration que vous ne verrez pas, on a fait 2-16-26 pour remplir le contrat. Et il y a des objectifs bonus. Alors évidemment, quand vous passez d'un niveau à l'autre, les objectifs bonus, vous ne les connaissez pas. Ça se débloque après. Mais il n'est pas exclu que, par le plus grand des hasards, vous puissiez débloquer, réaliser un objectif. Pendant la première opération. Une fois que vous avez réalisé les objectifs, ça vous débloque des pièces. Et ces pièces vous donnent des niveaux bonus. Sachant que le défi or, s'il est réalisé, nous débloque des niveaux extrêmes, donc des niveaux bonus, qui racontent l'histoire du jeu, et qui sont hardcore. Voilà. Donc là, on arrive chez qui déjà ? Chez quelle personne ? Oli. Et donc là, vous voyez, regardez bien, on va appuyer, crac, il y a plein d'objets à récupérer, il y en a 16. Et donc, on va prendre le canapé à deux et on va passer par la porte. Alors, dans celui-là, si vous avez fait gaffe dans la petite introduction, on peut soit péter les fenêtres, comme fait Fuji, soit ne pas les péter. Bon, voilà. On a rempli tous les objectifs, donc on s'en bat les box. Et donc là, le but du jeu, c'est évidemment de remplir le camion comme des dératés le plus vite possible, en respectant les objectifs, pas les objets, vous avez bien compris. Voilà. Donc, alors là, évidemment, plus ça va aller dans les niveaux, plus on va nous demander de faire attention au mobilier, de faire attention. Et les personnages se bougent, mais alors c'est Gangbis 2 le retour. Sérieusement. Alors là, on joue pas en découvrant parce qu'on a déjà fait des millions de fois, si vous voulez. Mais on vous le dit dans peut-être la prochaine vidéo. Les niveaux seront découverts. Parce que là, on vient de le faire. On vous parle plus. Alors on revient sur Team 17, je voulais parler de Team 17. Team 17, c'est un labo qui est méconnu français. Les mecs, je ne les connais pas, j'ai pas d'intérêt à faire de la pub pour eux. Là, ils m'ont pas payé pour que je joue à Moving Up. Mais en l'occurrence, ce que j'aime bien chez Team 17, c'est ludique, c'est sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est jamais méchant. C'est des jeux souvent de coop. C'est de la blast, mais voilà. Donc il faut vraiment les aider quand vous les voyez passer. C'est pas des jeux qui coûtent très très cher. Parce que j'avais envie de changer et de passer par les chiottes. Je suis bourré en fait. Donc en réalité. Voilà. Donc là on a fini l'objectif, donc il aurait fallu rassembler les flamants roses et des trucs, bon. Mais là on a fini, j'ai pas vu le temps par contre. Donc je me disais, Team 17 c'est des jeux qui valent 18 balles quoi. Alors que la majorité des jeux aujourd'hui, ça vaut 60 balles. Vous y passez 4 jours, ça y est c'est terminé. Là c'est des jeux, même si vous y passez 4 jours, vous pouvez y revenir, vous pouvez recompléter. Enfin vraiment, vous pouvez vous créer des modes challenge. Vraiment, voilà.
super sympa. Ils ont gardé un esprit ludique. Donc espérons qu'ils vont continuer, et c'est pour ça qu'il faut les aider. Donc 18 balles un jeu, je veux dire, bon voilà, quand vous êtes capable de vous payer. Avec des nouveaux bonus, voilà. Je pense que quand même. Plus des DLC, parce qu'il y a des petits DLC qui ressortent. Regardez Over Ticket, c'est jamais fini, il y a toujours tout un tas de trucs. Alors, sur ce niveau-là, grosse blague, parce qu'on l'avait fait deux fois, et deux fois on a oublié la tortue. Voilà. Donc, cette fois, on récupère la tortue. Voilà, merci. Et c'est pas à moi qu'il faut le dire. Hein. Voilà, donc. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par. Je sais pas ce que tu veux, le lit par exemple. Oh, faut bouger les tables aussi, ça va bouger. Oh, j'ai des tableaux. Il faut savoir que ce milieu est une grosse référence au Tortue Ninja, du coup. Oui, parce qu'on est chez. Le palais du Pépéroni, donc le Berger de Pizza. Et donc, la Tortue Ninja. Ninja, quand même. C'est ton jeu. Moi je suis pas dans la salle, il est mignon. Non, attends, on va le prendre. Voilà, voilà, c'est bon. Oh là là, arrête. La longue classe, la longue classe. Attends, je vais mettre ça dans le livre. Merde, le poster. Alors, le but, c'est généralement de faire des escapes plus longs. Donc, tu peux caser facilement dans le camion, parce qu'il faut savoir que les objets ont du mal à se caser parfois, parce que tu veux me dire après pour les chiens, un peu plus. On va le reprendre après. Oh là là. J'ai tourné autour du vague. D'accord, on y est. Il est pas cassé. Ah, parce que dans ce mode là, il y a un challenge, il faut pas casser le vague bleu là. Tu sais tout là, les individus là. Bien ou pas là, je suis en train de mourir. Mourir à la montagne de l'or, j'ai une merde qui me laisse avec le canapé. J'ai l'impression de travailler vraiment avec. Avec, oh là là. Avec le gros jean dans le. Dans le vrai déménagement. J'ai une carte, j'ai pas peur. Hop. Vous voyez la tortue qui est devant moi là, hop, bah, c'est celle-là qu'il va falloir ramasser. Ma version faite. Bah là j'ai l'objectif apparemment. Ouais, alors tu vois. Un peu de la tortue d'avion. Voilà, c'est ça. Et ça prendra quand même. Donc, alors, il y a eu effectivement, pour ceux qui me suivent, il y a eu un gros arrêt des vidéos de la Fruit Family Games. Alors, je vous explique pourquoi, hein, c'est tout bête. Fruit fait des études. Du coup, bah, c'était un peu prioritaire. Évidemment, le but c'était qu'il se concentre sur ce qu'il voulait faire, et donc on a fait un peu moins de vidéos. Donc, là, on est sur le Covid, c'est la fin de l'année. On pense que les épreuves, il va les avoir. Hein, même si, bon, bah, c'est pas super du tout, parce qu'il a pas super cette année. Mais bon, ça sert pas trop mal. Avec un 3,5 de moyenne. N'importe quoi! On n'aura pas. N'importe quoi! On n'aura pas. Tiens, mon appel! Tiens! On n'aura pas la table. Donc, du coup, non, bien. Donc, on a mis un peu moins de vidéos, on s'en excuse, mais évidemment, on avait d'autres priorités. Puis bon, nous, on n'est pas des youtubeurs, enfin, on n'en vit pas. Hein, donc, il y a un moment donné, c'est un peu pour le fun, c'est surtout pour vous qu'on fait également. Hein. Carré, carré, on va essayer de. Attends, on va essayer de. Mmh. Ah. Bah c'est pareil pour nous d'ailleurs. Et donc ouais non voilà, moins de vidéos c'est sûr, mais j'espère que vous amusez avec nous. Donc avance un peu la charrette. Hein. Donc on a trouvé ce petit jeu qui est sorti, on l'a vu en février. Il est sorti en avril, on avait testé avec un passif, on avait vu les premières vidéos, on avait vu le trailer, ça fait le faire. Ouais. On a testé la démo, donc on a accroché, on attendait que le jeu sorte. On va enfin une vidéo parce que bon, la démo, ça va bien faire une vidéo qui avait fait 3 niveaux, alors que là on peut faire une vidéo. C'est ça. Et bon, en plus de ça, on est très attentif à ce que sorte. Comme on vous l'a dit, on est très attentif à ce que sorte le 17, parce qu'à chaque fois on tape des barres de rire avec le truc.
Donc voilà, alors là, on rigole un peu moins parce que là, ça fait juste 14 fois qu'on fait l'exercice. Mais il faut savoir que là, on a l'objectif. Ça paraît vachement facile quand vous nous voyez faire, mais je peux vous assurer que c'est parce qu'on l'a fait beaucoup de fois. Moi, j'attends ce niveau avec la piscine et on va se passer les plaisirs. Alors, on a toujours pas compris qu'on va falloir sauter au-dessus de la piscine. J'ai trouvé, je l'ai fait. Ah, c'est quoi? Donc, c'était avec le. Avec le transat, tu le mets dessus et tu balances de l'autre côté, quoi. Ah bon? Pardon, c'est quelque chose. Enfin, tous les moyens sont bons pour faire de l'autre côté. Alors, on vous fait visiter la petite ville, hein, on en profite. On a donc. Défonce la petite ville, voilà. Donc, on peut pas aller partout, hein, évidemment, parce que c'est tombé, c'est pas grave. Balèze. Avec un camion on peut pousser les petites voitures, vous voyez. Hein, voilà, on peut pousser. Le balai est arrivé là, c'est un peu comme, bon. C'est un peu comme le territoire de Vertical, pour ceux qui se rappellent. Hein, Qu'est-ce qu'on peut dire pour clore la vidéo? Ben, clore la vidéo. Donc non, en fait, bon, on espère que ce petit jeu va créer chez vous une petite envie. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez après avoir vu très rapidement une petite introduction. Évidemment, c'est pour vous le présenter. Alors, c'est moins ludique que les autres jeux, mais voilà, c'est aussi rigolo. Donc, pour ceux qui nous découvrent, abonnez-vous à la chaîne, faites-nous connaître, partagez sur Facebook ou sur d'autres... systèmes. Vous êtes au courant de la vidéo, cliquez sur la petite cloche, vous aurez une notification qui va apparaître. On n'est pas des youtubeurs avertis, vous avez bien vu, on n'est pas des super cadeurs, et on n'en vit pas. Donc, information sur les lives, on attend juste d'avoir une bonne connexion sur tout à l'heure. Voilà. Au moins là-dessus, on prendra les lives tranquillement parce que faire des lives sans connexion. C'est un peu merdique, ouais. J'ai tenté. Avant, sur Saint-Ouen-le-Monde, on avait la possibilité d'avoir la fibre, donc ça allait mieux, quoi. Live, là, on a changé, on a déménagé. Papa Food, il a acheté une maison, mais la fibre est encore à 200 mètres et le Covid a fait que les 200 mètres ne se sont pas réduits. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez, n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra. On va faire plein de petites vidéos là-dessus, j'espère que ça vous plaira. Je profite de cette vidéo pour passer un gros coucou à Maverick et à Gabi, qu'on va retrouver certainement ce week-end sur Sea of Thief, où on essaiera de faire une autre petite vidéo. On ne chantera pas à Maverick bon anniversaire des petits indiens, mais on lui fera peut-être d'autres surprises ou d'autres trucs. On aime bien enquiquiner Maverick, et puis Maverick, j'aime bien l'enquiquiner. C'est le tweet de Papa Fouz. Voilà, donc, les petits amis, les petits foudeurs, on a volé une voiture, ouais. Les petits footers, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que ça vous a bien plu. Une grosse pensée à Grogi. Comme il le dirait si bien, bisous!